pression artérielle moyenne est un paramètre homéostasique. Diminue si les résistances diminuent. Dépend de la fréquence cardiaque. Augmente si le bilan OD est négatif. Alors, bilan OD négatif. Fait l'équilibre hydroélectrolytique. Bilan OD négatif, hypovolémie. Bilan OD positif, hypervolémie. Donc, RALT. Augmente si le bilan OD négatif, RALT. Est maintenue constante quel que soit l'état d'hydratation du sujet. La stimulation des barorécepteurs entraîne la sécrétion d'ADH. Stimulation des barorécepteurs. Mané hypervolémie. Mané, j'entraîne pas ADH. La stimulation du noyau tractus solitaire. La levée de l'inhibition sur le centre vasomoteur. Une activation vagale. Une augmentation de la fréquence de décharge au niveau des fibres afférentes. BDE. Les barorécepteurs à haute pression sont mis en jeu lors d'une variation de la volémie sans variation de la PAM. Non. Sont situés au niveau des oreillettes cardiaques. Sont stimulés par l'hypertension artérielle. Oui. On voit des afflux nerveux directement vers le bulbe et la moelle épinière. Bulbar, très bien. Stimulent le VAC quand leur fréquence de décharge est faible. Exactement. Les barorécepteurs à basse pression existent au niveau de la crosse aortique, sont stimulés lors d'une augmentation de la pression veineuse centrale, sont inhibés par l'hypovolémie. Oui. Leur stimulation inhibe la sécrétion d'ADH. Oui. Sont présents au niveau de l'artériole afférente. Basse pression afférente. Artériole. Artériole, c'est un système à haute pression. Ils sont présents au niveau de l'artériole afférente, les barorécepteurs à haute pression. Le baroréflexe est caractérisé par des fibres afférentes appartenant au système nerveux sympathique et parasympathique. 9 ou 10, alors qu'on a l'airing ou des un centre nerveux bulbaire, des barorécepteurs situés dans les oreillettes cardiaques. Oui, à basse pression. Baroréflexe, barorécepteur à basse et haute pression. Je vais hommage vous comme je dis barorécepteur à basse pression. Qui dit baroréflexe ne dit pas systématiquement barorécepteur à haute pression, non? Une vasodilatation périphérique suite à la stimulation du système nerveux parasympathique. Non. Non. Un effet lusitrope positif suite à la stimulation du système nerveux sympathique. La sensation de soif est directement stimulée par l'hyperosmolarité. Oui. L'enjeu tensine 2. Oui. L'ADH. Non. Directement, non. Indirectement, oui. Le fan, non, il inhibe. La sécheresse de la bouche, oui. On va voir la soif et la régulation hydroélectrolytique. L'hypovolémie est toujours associée à une hypotension artérielle et détectée par des barorécepteurs à basse pression. Est régulé à court et moyen terme par le baroréflexe. Court et moyen terme. Oui. À la khat, le wartadjin, les catécholamines ou le médulo surrénal, je connais ta. Catécholamine, mais moyen. Hein? C'est le baroréflexe qui va stimuler. Ou le rénine ou l'enjeu tensine 2. C'est le moyen, Z. C'est aussi le seul. Donc, là, mais madame, l'hypovolémie ou madame les barorécepteurs envoient un message de l'hypovolémie, madame sympathique. Emma ou insuffisant. Oui. Emma mouche ma hache, mais il kamel ou madame ou l'origine juive à nous.
À long terme, bien sûr, à long terme, inshallah. Et corrigé par une augmentation des résistances périphériques totales. Oui. Peut-être secondaire à une hyperosmolarité. Hypovolémie, hyperosmolarité, hypervolémie. Qui m'a prendre la bilan sodique positif, hypervolémie. Donc, on a hypovolémie, on a l'axe, hypovolémie, c'est l'hypoosmolarité. La vasoconstriction périphérique est déclenchée par la stimulation des récepteurs bêta 2, adrénergie, l'adrénaline, la stimulation du système rénine-angiotensine, l'histamine, la stimulation des récepteurs alpha 1. Qui coule comme sérotonine? Je coule. Exactement, les deux. Enti au type de récepteur, enti ou la concentration de terre. Donc, je suis comme sérotonine, il y a ta sérotonine, mais on ne peut pas répondre. Précisez parmi les facteurs suivants ceux qui provoquent une vasodilatation locale. L'hypoxie locale, l'augmentation locale des ions H+, les diminutions locales des ions potassium, augmentation de l'adénosine, oui l'ADP, la bradykinine. Oui. Dans les conditions physiologiques, la PAM est une variable régulée. Allez. Constante, variable, pour le variable régulée, ou la constante homéostasique. Maintenue constante, quelle que soit la situation. Non. Essentiellement dépendant de la pression diastolique. Brutalement abaissé à la sortie des capillaires. Brutalement abaissé à la sortie des capillaires. Non. Tu vois, on fait les capillaires, les pressions, ça a déjà été rapide. Moi, j'ai la sortie des capillaires, je te rade. Peut-être modifié lors d'une baisse de la volémie. La vasomotricité correspond à un changement de calibre vasculaire. Est un phénomène actif. Oui, par définition, c'est un changement actif du calibre vasculaire. Est une propriété des veines. La véno. Quand on dit, pardon, quand on dit vasomotricité, on ne précise pas artériole ou la veine ou la... Hein? Eh, véno, la vénomotricité, c'est une vasomotricité. Vaso, j'ai aimé qu'il mette vaisseau, là. Vaisseau. Ah, la veine, la mouvement, vénoconstriction, bien sûr. Oui. Et régulée principalement par le système nerveux parasympathique. Sympathique. Est à l'origine des résistances vasculaires. Le tonus artériolaire est dû au tonus vasomoteur de base. Oui. Est dû à un tonus sympathique au repos. Oui. Augmente sous l'effet du parasympathique. Augmente la diminue. Augmente. Femme le vasomoteur de base ou sympathique de repos. Vasomoteur de base, c'est l'activité myogénique de la fibre musculaire, ou dit d'aller à sympathique. Augmente à l'effort physique au niveau des masses musculaires. Max. Est soumis à une régulation essentiellement locale dans la circulation coronaire. Oui, bien sûr. La courbe instantanée, un sphygmogramme, quoi, a les caractéristiques suivantes. La branche ascendante et contemporaine de la phase d'éjection rapide du ventricule. La branche ascendante du sphygmogramme. C'est la phase d'éjection rapide. L'incisure dicrote, c'est-à-dire que l'encoche, est contemporaine du deuxième bruit cardiaque. Au moment où la pression artérielle diastolique est atteinte, il y a fermeture des valves sigmoïdiennes aortiques.
au moment où la pression est diastolique, l'outani est bocol. Chandimba. Ouverture, bien sûr, Katarandi, éjection. Au moment où la pression artérielle diastolique est atteinte, mané ou une indi pression diastolique. Juste partager atteint la pression diastolique, il fait une imba d'achné. C'est la phase d'éjection. Donc, ouverture. La durée de la branche anacrote est supérieure à celle de la branche dicrote. Axe. La branche dicrote correspond à la diastole ventriculaire uniquement. Non. L'éjection lente, processiste. Donc A et B.